Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit tuto de Papycore s'éclate sur Minecraft. Il est 19h29 et nous sommes le samedi 30 janvier 2021. Là, nous allons faire un petit tuto sur les cadres. Les cadres, à quoi ça peut servir les cadres? Alors c'est assez sympa les cadres quand même. Ça a son utilité quand même. Donc on va voir déjà si on peut le faire sur soi, mais je ne pense pas. Mais on va quand même voir. Hein. Cadre. Non, on ne peut pas le faire sur soi. Donc il faut absolument un établi. Et pour faire un cadre, qu'est-ce qu'il nous faut donc? Il nous faut, oula, de 6, 8 bâtons et un cuir. 8 bâtons et un cuir. Ok. Allez, on va chercher ça. Bâton et cuir. Bâton. 57, c'est bon. Et du cuir. Voilà, impeccable. Donc on a du cuir, on débloque le cuir, on débloque les bâtons et on débloque le cadre. Donc on peut faire des cadres. Ensuite on va dans l'établi, fabrication donc réalisable. Nous avons les cadres. On va en faire 1, 2, 3, 4. Allez, on va en faire 5. Ok. Hop là, voilà, ça y est. J'ai mes 5 directement sur ma barre de raccourci. Une fois qu'on a les 4, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, moi, ce que je vous conseille, je l'ai commencé hier ou avant-hier, enfin, il y a peu. Donc, je mets mes cadres dans la barre de raccourci, hein. Je sélectionne et je vais les mettre sur mon coffre. Par exemple, là ou là, à droite ou à gauche, sur un grand coffre. Donc, si j'appuie sans m'accroupir, ça va ouvrir le coffre, ça ne va pas mettre le cadre. D'accord? Donc, il faut qu'on s'accroupit. Hop! Et là, on va le mettre. Voilà. N'oubliez pas de vous accroupir, sinon, c'est pas la peine. Donc ça, c'est sur un double coffre. On va essayer sur le petit. J'ai jamais essayé, pour être franc avec vous. Eh ben oui, on peut. C'est génial. Super. Voilà. Donc, dans le coffre, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce coffre? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? Il y a un petit peu de tout. OK. Un coffre où il n'y a rien. Voilà. Là, il n'y a rien du tout. Donc, je vais mettre un cadre. On s'accroupit. On le positionne. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Allez, on veut mettre de la pierre, par exemple. D'accord? Allez, on va prendre la pierre et on va entreposer la pierre. Voilà. Ok. Alors, on va mettre la pierre là-dedans. Voilà. À chaque fois, on est en train de chercher nos affaires. Le coffre, c'est quoi? C'est pas grave. Voilà, j'ai mis de la pierre. Et pour savoir que c'est de la pierre, pour se remémorer, parce qu'il y a tellement comme matériaux, tellement il nous faut de coffres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma pierre que j'ai mis dans ma barre de raccourci et je vais cliquer tout simplement, clic droit, hop, et voilà, il y a la pierre. La pierre est dans le cadre. On peut mettre pas mal de choses dans un cadre, vraiment pas mal de choses. Si on veut récupérer la pierre, ben on fait le clic, hop, non, ça on le tourne. Si on reclique dessus, on le tourne, on l'inverse, voilà. Donc, pour le récupérer... C'est l'autre clic, c'est le clic gauche. Voilà, on récupère l'objet. Alors, maintenant, on va voir le cadre, si on peut le mettre sur un mur, je pense que oui. Voilà. Et vous mettez la tête de votre belle-mère. Non, je plaisante. Voilà. Donc, on peut le mettre sur le mur. Et qu'est-ce qu'on peut mettre sur le mur? On peut mettre nos armes, par exemple. Là, je mets mon arc, voilà. Arcachon. Mon arcachon. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ma hache, hein. Voilà. Ma hache. Voilà. Et quand on veut partir en expédition ou quoi que ce soit, on va les récupérer. Hein. Donc on a dit hein, clic gauche, clic droit pour le mettre. Encore un clic droit, on va le tourner. Vous voyez, si on veut qu'il soit horizontal, dans ce sens-là, n'importe. Et si on veut le récupérer, on va cliquer gauche. Tout simplement, hop, on le déboîte, hop, voilà, et on va le chercher. D'accord. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal les cadres hein, pour mettre justement les choses dedans. Donc là, c'est de la pierre, on a dit on va mettre une pierre, et voilà, ça y est. Donc, si vous n'aimez pas comme ça, vous le mettez comme ça. Hein, voilà. Hein, ça dépend des goûts. Hein. Voilà. Donc, c'est pas mal. Franchement, pour mémoriser les coffres, avec ce qu'il y a dedans, c'est pas mal. On peut les mettre, donc bien sûr, dans les coffres uniques. Hein, pas que les doubles. Hein. Et ça, je viens d'apprendre parce que j'avais jamais essayé. Donc, on va pas cliquer sur le cadre pour ouvrir le coffre. Hein, d'accord? Hop, ça, je l'enlève. Parce que je ne pense pas que ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. Vous voyez, je clique, ça fonctionne pas. Il faut mettre le curseur sur le coffre pour l'ouvrir. Hein. Voilà, pas sur le cadre. Ok.
Voilà, donc c'était le petit tuto sur le cas, donc c'est vachement intéressant pour mémoriser, pour savoir ce qu'il y a dedans, et pour ranger nos affaires, hein, voilà, les super outils, les super armes, les super armures, on peut les mettre au mur, hein, quand on a besoin pour en expédition ou pour combattre je ne sais qui, je ne sais quoi, et ben on les prend, voilà. Ok, comme ça, ça évite qu'on les cherche partout. Voilà, donc c'était le petit tuto de Papy Corse pour les cadres, hein, c'est vachement utile. Et donc, on récapitule, vous débloquez le cuir, vous débloquez les bâtons et vous pouvez faire des cadres. Donc ça, je vous le conseille pour vous organiser dans votre partie. Allez, ciao, bye bye, à plus pour un prochain tuto.